s'intéresse à l'économie contemporaine. Alors moi, je vais parler du contemporain, mais en prenant un peu de recul historique. Voilà. Donc, l'Europe. On vous parlait beaucoup d'Europe, pour de regard croisé sur le monde. Et donc, on va traiter de quelques philosophes antiques qui ont posé des réflexions en termes d'économie, en termes de définition de l'échange, il y a quelques siècles. Alors, je ne sais pas si ce qui est pensé par les économistes aujourd'hui sera toujours présent dans 24 siècles. Ce que l'on sait, c'est que les pensées philosophiques que je vais vous présenter très rapidement, de manière un peu abrégée, elles sont toujours là. Elles ont traversé 24 siècles. Donc peut-être qu'elles sont assez solides, robustes et dignes d'intérêt. Voilà, donc je vais faire un développement assez simple avec quatre parties d'importance très inégale. Je vais passer du temps sur la première partie qui sera la plus volumineuse, et puis le reste va en découler. Donc je vais poser quelques fondements de cette pensée. Alors on dit grecque, mais en fait elle était localisée dans la région d'Athènes, et je vais traiter ensuite de ce que les Grecs appelaient et qu'on appelle toujours aujourd'hui la praxis, c'est-à-dire le fait de connaître au moyen de la pratique et non pas dans les salles de classe. Et puis je vais vous parler du domaine, l'oikos, le domaine. Qu'est-ce que la science du domaine? Et vous verrez que c'est les débuts de la pensée écologique. Et puis on terminera très rapidement avec les héritages de cette pensée. Voilà. Donc le visuel est sur un métis. Il est sur un métis. Et donc vous pouvez vous y reporter. Vous aurez, je ne sais pas, quelques questions. Un peu moins de 10 qui porteront dans votre QCM sur ce que j'aurai présenté. Voilà. N'hésitez pas à m'interrompre lorsque vous le souhaitez, pour me questionner si je vais trop vite, pour me demander des éclaircissements ou plus de détails. Alors, les philosophes qu'on va étudier, vous en connaissez certains, forcément. J'ai fait un choix, donc on va s'inspirer dans un premier temps de celui qui n'a rien écrit, mais qui a beaucoup parlé, qui s'appelait Socrate. Et puis, de quelques disciples de Socrate. Platon, bien sûr, Aristote, et puis un moins connu, qui a écrit un des premiers ouvrages d'économie, qui s'appelait Xénophon. Voilà, vous savez tout. Alors, Socrate a parlé à une époque où n'existaient pas les spécialisations que l'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons à
science qui est très spécialisée, avec des disciplines, des sous-disciplines. À l'époque, il y avait une pensée, et on ne distinguait pas vraiment la pensée à propos du domaine, ce qu'on va appeler progressivement l'économie, de la pensée à propos de l'amitié, ou bien de la pensée à propos de la justice, ou bien de la pensée à propos de la méthode. Voilà. Alors, Socrate, il a vécu, alors on va raisonner dans un temps qui est le temps chrétien, donc avant Jésus-Christ, donc le temps zéro, et avant Jésus-Christ, on compte les années à rebours, pour arriver jusqu'à zéro. Donc il a vécu quelques années et il n'a jamais rien écrit. Par contre, il pratiquait la discussion, ce qui est resté dans l'histoire après, sous le format de la discussion socratique, la remise en question. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est le cours de sa vie. Comment il a vécu? En fait, c'est quelqu'un, selon les traces historiques, c'est quelqu'un qui vivait de très peu, qui avait une famille, il avait une femme et des enfants. À une époque qui était ce qu'elle était, c'est-à-dire que les femmes n'étaient pas considérées comme les égaux, les égales des hommes. Voilà. Et il existait une division du travail assez forte. Il existait des esclaves. Et le travail était considéré comme quelque chose d'avilissant. Voilà. Aujourd'hui, si on ne travaille pas, on est suspect de quelque chose. À cette époque, ceux qui travaillaient étaient ceux qui n'avaient pas le choix. Et l'activité noble, c'était la pensée. Bien entendu, cette activité de pensée concernait un très petit nombre de personnes. Un très petit nombre. Alors, Socrate, c'est une figure tutélaire, c'est-à-dire qu'il va, il est resté dans l'histoire comme un des premiers philosophes. Certains le désignent comme un sage, très sage. Et il a beaucoup inspiré à la suite. Je disais qu'il n'a rien écrit. Platon, qui est son contemporain, qu'on va étudier à la suite, Platon a écrit pour lui. Donc dans vos années de lycée, notamment la dernière année, vous avez sans doute croisé les ouvrages de Platon. Et dans la plupart des ouvrages de Platon, Socrate, deux points, il parle et il rencontre une autre personne et il discute avec. Et très souvent, dans les ouvrages de Platon, Socrate, c'est la figure tutélaire, celui qui sait, celui qui est inspiré, et celui qui va démonter, déconstruire les arguments de son interlocuteur et lui montrer qu'il est en contradiction avec lui-même. Voilà. Donc c'est assez étonnant, c'est même amusant que quelqu'un qui n'a strictement rien écrit soit toujours là. Sur quelle base ? Essentiellement sur la base des traces fournies par un
Platon, par d'autres, mais surtout par Platon qui lui a avoué une admiration très importante. Voilà. Alors, ce Socrate, il va avoir une destinée tragique. Il va être condamné par le tribunal d'Athènes. Il va être condamné à mort. Et ses amis, Platon et d'autres disciples, vont lui proposer de le faire évader, de préparer sa fuite. Lui va refuser en disant bah, « c'est comme ça, je suis condamné à mort, je vais mourir ». Donc très surprenant, très étonnant pour nous, on va lui donner le choix de sa mort, et il va choisir le poison, la ciguë. Il va choisir la ciguë, qui est figurée dans ce marbre. Et donc il va accepter sa disparition. Et il va prononcer des phrases très étonnantes, vraiment très étonnantes, et on va s'attarder dessus. Alors, que fait-il ? Ben, il passe ses journées à discuter, et parfois il est rémunéré pour ses discussions, on lui dit qu'il a été éclairant, qu'il a rendu des services, qu'il a enseigné tel ou tel enfant, et donc il reçoit un peu d'argent comme ça. Et il pratique le fameux discours qui consiste à identifier des contradictions dans le raisonnement d'une personne. Il est condamné pour trois motifs. Un des motifs, c'est cette discussion dans les rues d'Athènes avec des passants. Donc, un des motifs, c'est de corrompre les jeunes personnes en pratiquant ce dialogue. Le second motif, c'est de ne pas reconnaître les dieux qui prévalent à Athènes dans les années 400, fin des années 400 avant Jésus-Christ. Donc de ne pas reconnaître les dieux qui prévalent à cette époque. Et troisième motif, on lui dit non seulement tu ne reconnais pas nos dieux, mais tu introduis un être que nous, on ne connaît pas, une divinité que l'on ne reconnaît pas, et qui est la démonia, c'est-à-dire le démon intérieur, le diable intérieur. Alors, deux mots sur ce démon intérieur, démonien. Démonien, c'est quoi ? Ben, c'est le fait que les humains sont traversés de pulsions. Ils sont traversés de pulsions. Plus tard, les psychanalystes nous diront qu'il existe des pulsions de vie, mais aussi des pulsions de mort. Nous sommes capables de méchanceté dans notre entourage, nous sommes capables de faire du mal, nous sommes capables de développer des pensées antisociales, nous sommes capables de développer tout un tas de pensées et d'actes répréhensibles. Et donc Socrate dit, oui, c'est la condition humaine. Ça existe en chacun de nous. Il faut le savoir. Il faut le savoir et tenter de dominer ces pulsions.
Donc, vis-à-vis de ce démon intérieur, il faut apprendre à apprivoiser, à le dompter, ce qui donnera l'adage que vous connaissez toutes et tous, connais-toi toi-même, qui n'est qu'un morceau de la phrase qu'il a développée. Donc la connaissance de soi permet de vivre en société. Cette connaissance de soi permet de maîtriser ses pulsions. Donc, pour ces trois raisons, non-reconnaissance des dieux de l'époque, introduction de la démoniaque, et puis pratique du discours. Avec les passants, on lui dit, c'est pas possible, tu n'as pas de place à Athènes, donc il y a un tribunal populaire qui le condamne. Alors ça c'est intéressant parce que on lui propose de s'évader, il dit non, il n'y a pas de souci, j'accepte. J'accepte et il va prononcer une phrase qui a été rapportée par Platon, il va dire... Ils peuvent me tuer, mais ils ne peuvent pas me nuire. Autrement dit, ils peuvent me tuer, moi je lui ai, la personne de Socrate disparaît. Bon, c'est pas si important. Les idées demeurent, les idées restent. Donc c'est très surprenant parce que bon, ça fait peur. Hein, voilà. Une aussi peu de crainte de la mort, ça nous fait peur, forcément. Hein. Voilà. Donc là-dessus, acceptation de la condamnation et mort de Socrate en 399. Pour ces trois motifs. Alors, corrompre les jeunes gens en dialoguant avec eux, c'est le dialogue, le fameux dialogue socratique. Alors, de manière générale, ça consiste à relever des contradictions chez l'interlocuteur. Ce qui, pour l'interlocuteur, n'est pas forcément agréable. Hein, très souvent, lorsqu'on nous contredit, surtout en public, on n'est pas très content. Bon. Alors, cette discussion prend cette forme-là. Socrate, et si vous avez le temps et si vous souhaitez le lire, vous prenez n'importe quel ouvrage de Platon, Et c'est cette structure que vous allez retrouver. Hein. Socrate interroge un passant, parfois un autre philosophe. Alors bien entendu, Socrate, il apparaît très souvent comme Superman. Hein. Il est jamais contredit, il a toujours des arguments, il a beaucoup de ressources. Bon, c'est comme ça. Platon a écrit tout ça de cette manière-là. Donc Socrate écoute, et puis il dit, ben tiens, j'ai entendu dire ceci, cela, dis-moi un peu plus sur quoi tu te bases, sur quoi tu proposes tes arguments. Hein, voilà. Donc on essaie de remonter un peu à une source, à l'origine du raisonnement de la personne. Donc ça prend du temps, hein, ça prend des pages et des pages, on lit, bon. C'est écrit de manière très simple, contrairement à de la philosophie contemporaine, si vous regardez, ou même assez récente, si vous lisez ce qu'a écrit Heidegger, je ne suis pas philosophe.
philosophe, mais bon, voilà, si vous lisez une page d'Heidegger, il faut le lire plusieurs fois pour essayer de comprendre. Bon. Dans cette philosophie antique, Platon, Aristote, c'est très simple. Les phrases sont d'une simplicité très poussée. Hein, voilà. Donc, Socrate demande sur quoi reposent ses idées, ses raisonnements, et donc il essaie de remonter vers des hypothèses. Voilà. Il essaie de remonter vers des hypothèses. Et le travail contradictoire, le discours socratique, consiste à faire émerger des décalages, des contradictions entre les hypothèses et les développements, ou bien entre les développements et les résultats. Bon, alors, c'est quelque chose qu'on peut toujours pratiquer. L'époque présente avec les fausses nouvelles, les analyses en verticalité, etc., etc., nous donne l'occasion de ces discussions. Bon. Aujourd'hui, ces discussions tournent court ou bien deviennent assez violentes. Bon. Autrement dit, on n'a pas forcément beaucoup progressé. On pourrait même dire qu'on a progressé dans l'hystérie. Hein, la discussion devient difficile. C'est une simple parenthèse contemporaine. Pouvoir faire trois phrases aujourd'hui en discussion amicale, ça devient difficile. Hein. Très souvent, on se coupe les uns les autres, moi y compris. Hein. On se coupe très vite en disant « Ah ben non, moi je ne pense pas pareil. » On ne prend pas le temps de s'écouter parce qu'on est dominé par... ce que tu dis, ça évoque quelque chose pour moi, au lieu de se dire, ben parle. Parle pendant 20 minutes, je t'écoute, j'essaie de comprendre ce que tu veux me dire, et en aucune manière, je ne rapporte le contenu de ton analyse à mon vécu personnel. Autrement dit, je mets l'émotion de côté. Ce que Socrate proposait, disant, nous avons tous des pulsions, on a tous envie de faire des choses, là. Mais pour écouter, pour repérer les contradictions chez l'autre, il faut faire le calme en soi pour pouvoir comprendre, pour pouvoir prétendre comprendre ce que dit autrui. Voilà. Donc ça, c'est la vertu de la discussion socratique qui est liée, bien entendu, à ce que fait autrui, à ce que raconte autrui, mais aussi, au moins autant, à notre état d'énergie, à notre état de compréhension du moment. Voilà. Donc là, on n'est pas encore dans la théorie économique, on va y venir, mais on est déjà dans les bases d'un échange social. On est sur les bases d'une intercompréhension et d'une communication possible entre deux personnes. Voilà. Alors, Socrate va passer toute sa vie à faire ça. Et il va le faire avec des personnes très différentes. Il va le faire avec des jeunes personnes qui découvrent la vie. Et puis il va le faire avec des personnes de son âge, qui sont très avancées dans la réflexion, mais chez qui il va identifier des contradictions. Voilà. J'ai pas tout lu de Platon, mais je pense que, à 100%, Socrate n'est jamais pris en défaut dans ce qu'a rapporté Platon. Hein, voilà. Bon. Ça, c'est pour Socrate. L'enseignement qu'il va proposer, à l'oral, toujours, c'est que cette réfutation est nécessaire.
c'est une purification. Il appelle comme ça, c'est faire un nettoyage interne et c'est aboutir à purifier son être de manière à pouvoir écouter les autres. La réfutation telle qu'il a proposé Socrate est bien indiquée pour remettre en question les croyances. Tout type de croyances. Troisième enseignement, beaucoup de difficultés, beaucoup de maux personnels et sociaux naissent dans l'ignorance. Il y a très peu d'écoles à l'époque. Les écoles, les enfants d'esclaves sont esclaves dès le plus jeune âge, et les écoles sont réservées à quelques enfants de commerçants, de propriétaires, et leurs professeurs sont Platon, Aristote, etc., des gens qui sont très avancés dans la pensée. Donc tous les maux ont leur origine dans l'ignorance. Et on est dans une philosophie qui est une philosophie morale et politique, on ne distingue pas les deux, savoir quelque chose, savoir, développer le savoir, va être posé, va être revendiqué comme un bien. Je vous recommande, qui est d'une grande beauté, c'est un texte très, très beau, et qui s'appelle Apologie de Socrate. Voilà. Et vous le trouvez dans ce petit ouvrage, où vous avez trois essais, Apologie de Socrate, Criton et Phédon. Donc, il y a beaucoup de noms qui finissent par O-N. Alors, je continue avec Platon. Platon, c'est quelques années après, donc il est contemporain de Socrate, et il va vivre la mort de Socrate. Alors Platon, c'est un, si on devait le définir aujourd'hui, c'est un illuminé. Voilà, aujourd'hui on dirait, ouais, c'est quelqu'un qui plane vraiment, il est complètement illuminé, vous allez voir pourquoi, et il va se distinguer de Aristote, qui lui va passer pour quelqu'un de très terrien, très terre à terre, très appliqué dans la science. Alors Platon, il développe ce qu'est une idée. Voilà. Il est très branché sur l'idée. Il va développer une théorie des formes. Alors, le monde terrestre, la vie sur Terre, pour lui, c'est l'aboutissement
d'une inspiration quasi cosmique. C'est-à-dire que nous vivons sur Terre, et en fait, tout ce que nous vivons sur Terre, tout, le monde physique et le monde de la pensée, tout est inspiré par des modèles immuables. Donc là, on a une pensée, une philosophie qui est vraiment très morale, qui est spirituelle, qui a beaucoup influencé les religions. Le monde sensible, nos émotions, nos colères, mais aussi l'amitié qu'on développe, l'amour qu'on développe, les activités qu'on développe, tout, les constructions, c'est le monde sensible. Ce sont des réalités qui sont inspirées par quelque chose qui est invisible. Voilà, ça c'est la pensée de Platon. Et donc ça va nous donner une philosophie qui est métaphysique, au-dessus de la physique. En grec, lorsqu'on veut dire naturellement, évidemment, on dit physica, on dit c'est physique. Voilà, naturellement c'est physique, c'est incontestable, c'est physique, voilà. C'est robuste. Et donc là, on est au-dessus de physique. On est au-delà de physique. On est dans la métaphysique. Donc ça, c'est physica écrit en grec. Alors, il y a trois formes suprêmes, le bien, le beau et le vrai. Voilà. Le bien, le beau et le vrai. Pour Platon, la connaissance, c'est une activité de l'âme alors l'âme elle est par ici hein, elle est dans cette région là que l'on ne voit pas et qui inspire parfois on dit dans les films on dit eh ben, j'ai l'âme ceci ou cela bon. Ce n'est pas, ça ne correspond pas à l'âme définie par Platon. Une âme de bandit, une âme d'escroc, c'est pas ça. L'âme, c'est quelque chose, c'est du sensible qui n'est pas incarné dans un corps physique, intérieur. Voilà. Et Platon va dire, ben, c'est pas parce que c'est pas physique que ça n'existe pas. Voilà. Donc il va passer toute sa vie de philosophe à rabâcher ce truc-là. La connaissance est une activité de l'âme au contact de différents objets. Voilà. Et cela va prendre trois grandes formes, le bien, le beau et le vivant humain, le vivant animal, le vivant végétal et le vivant minéral est doté, est animé par une âme. Même parfois, autre parenthèse, on dit les minéraux, les pierres, par exemple, ça ne bouge pas. En fait, ça bouge. Démontre que les pierres ont une vie physique, sauf que c'est sur des milliers d'années. Et étant donné que nous, on n'est pas sur des milliers d'années, on est au mieux sur 100 ans, au mieux, ben, on ne peut pas observer la progression des pierres qui deviennent des cristaux et parfois des pierres précieuses. Voilà. Donc c'est une simple parenthèse sur cette animation. Donc le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Tous ces êtres, tous ces stades du vivant sont animés par une âme.
vide. Rien n'est vide. L'air, tout ce qui est au-dessus de nous, ce n'est pas vide, c'est peuplé par des âmes qui vont inspirer la vie terrestre. Bon, ça c'est la pensée fondamentale de Platon. Conséquence de cette pensée surprenante. Pour connaître l'humain, la psychologie, l'animal, la zoologie, la biologie des végétaux, les minéraux, la physique. Donc, la connaissance ne peut pas être seulement celle du monde sensible, celle du monde terrestre. Ça doit être également la connaissance de ce qui inspire ce monde terrestre. Vous avez compris, ça doit être la connaissance de l'âme, des mécanismes, de la dynamique de l'âme. Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est vrai? Ce ne sont pas les choses sensibles, terrestres. Ce sont les forces de l'âme qui ont inspiré cette réalité. Donc le beau, c'est pas forcément de l'esthétique. Le beau, ça va être un état particulier de coïncidence entre plusieurs états qui vont faire apparaître l'évidence de l'âme. Donc, il est difficile d'atteindre spontanément ces états de bien, de beau et de vrai, puisqu'il faut remonter très haut jusque au ressort de l'âme. Donc ça prend du temps. Platon dit que c'est une quête infinie. Voilà. On s'en approche, mais on ne l'atteint jamais. Donc ce qui est forcément très frustrant pour nous, qui sommes très pressés et très avides de découvrir le pourquoi du comment, etc., etc. Donc ces trois formes, bien beau, vrai, sont des réalités immatérielles, immuables. Que reste-t-il aux humains? Que reste-t-il aux humains? Alors, ce qui reste aux humains, puisque tel que présenté, l'âme, c'est tout de même ça. La synthèse de ce que je viens de dire, une réflexion sur les idées, appelée théorie des formes ou théorie des idées, qui essaie de faire comprendre que le monde sensible est inspiré par cette âme ou ces âmes qui sont quelque chose d'immuable, un peu comme l'éternité qui vient essayer de nous inspirer.
d'utiliser un ton un peu pas trop compliqué pour faire passer ses approches. Bon, Platon a vécu plusieurs décennies, il a écrit une trentaine d'ouvrages, et tous les ouvrages sont basés, sont fondés soit sur des réflexions de Socrate approfondies, soit sur ses propres réflexions à lui, avec des expériences de pensée, c'est-à-dire que il n'était pas isolé dans son coin, en train de délirer et se faire plaisir, pas du tout. Hein. Il a expérimenté tout ça, d'où le nom de métaphysique, en étant très exigeant avec lui-même, en essayant d'être cohérent et de s'ouvrir à cette inspiration que lui qualifiait de d'âme et de forme suprême. Voilà. Donc essayer d'aller un peu au-dessus de la réalité pour comprendre comment ça marche. Ce qui suppose, alors aujourd'hui on appelle ça méditation, on appelle ça pour les managers fatigués, la retraite, on va s'isoler une semaine. Bon. Platon et toute la compagnie, là, ils s'isolaient plus qu'une semaine. Hein, ils s'isolaient des mois entiers en essayant de comprendre comment ça marche. Bon, autre aspect de la pensée de Platon. Les mythes. Vous connaissez les mythes grecs, en bande dessinée, par exemple, et également 24 siècles d'existence. Vous avez ici un service après-vente qui fonctionne toujours. Les mythes sont toujours là. Alors, Platon, très rapidement, il a essayé de faire comprendre à son entourage que le mythe permet de parler du monde par un discours qui lui ressemble. Autrement dit, les histoires qu'on raconte, en fait, que ça soit fidèle à une certaine réalité véridique, ou pas, on s'en fout. On s'en fout. Est-ce qu'un tel a existé? Est-ce que le Minotaure a existé? Est-ce que les cabales mangeuses d'hommes ont existé? On s'en fout. C'est le discours qui est important pour nous permettre de comprendre notre réalité à nous, notre monde contemporain. Donc le mythe permet de parler du monde par un discours qui lui ressemble. Il doit être interprété et surtout ne pas être confondu avec la réalité. Alors ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant parce que ça laisse songeur. Je vais prendre un exemple. Il y a quantité de mythes, hein, il y a beaucoup de mythes. Je vais prendre Hercule. Non pas Hercule Poirot, mais Hercule, le vrai, le grec. Qui a été représenté comme encore plus vaillant, costaud que Superman, et il est ici avec le taureau de Crète, sur l'île de Crète qui est en bas, dans la mer de Libye. Et, comme par hasard, les écrits nous disent, voilà, Hercule a été appelé, par on ne sait pas qui, et on lui a dit, ben, tu vas dans telle région, et tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et il y a 12 travaux. Bon. Dans beaucoup de régions du monde, il y a 12 mois. Certains l'ont interprété comme des énergies possibles chaque mois, avec une variation, etc. Voilà. Donc il y a des travaux comme ça, et en cette période de fin d'automne, selon certains spécialistes de cette approche des mythes, il y a, nous serions dans la période 9, c'est-à-dire lorsque on dit Hercule, tu vas dans une région, je ne sais plus où en Grèce, il y a un lac, une altitude en montagne, et il y a beaucoup trop d'oiseaux, et ça pourrit la vie des villageois, des paysans, parce que les oiseaux empêchent l'accès à l'eau, le lac est en train de mourir.
Donc, c'est l'extermination des oiseaux de Saint-Phalle. Alors, Hercule est très costaud, il a une massue, bon, il est capable d'exploits, mais à la limite, on s'en fout si c'est vrai ou pas. Il va là-bas, il gravit la montagne, et puis il est attaqué par trois vautours, par trois immenses vautours. Et bien entendu, comme Hercule est grand et fort, il arrive à les combattre et à les tuer tous les trois. Bon, en fait, les vautours sont des symboles. Hein, vous avez deviné, ce sont des symboles qui incarnent des pensées négatives. Alors le premier, c'est la médisance, les discours haineux, bon, qui sont toujours là. Donc le premier vautour arrive, Hercule l'écrase, bon, donc il disparaît. Le second vautour, il incarne l'égoïsme, je parle de moi, c'est moi qui suis important, donc il extermine aussi. Et le troisième vautour, c'est plus subtil, c'est le prosélytisme. Moi qui ai compris beaucoup de choses, je vais t'expliquer comment ça marche. Voilà. Donc là, hop, il extermine. Ce sont trois pensées négatives. Que reste-t-il? Il reste les petits oiseaux. Les petits oiseaux, il ne peut pas les écraser avec sa massue, c'est pas possible. Donc, échec. Dans les 12 travaux, Hercule rencontre l'échec. Il n'arrive pas. Que fait-il lorsqu'il est un échec? Il mange, il boit, il dort. Il se repose plusieurs jours, jusqu'à ce que l'idée, peut-être l'inspiration céleste, arrive. Et là, il se réveille, et puis il se souvient que dans son sac, il a des petites cymbales, et forcément, les petites cymbales vont lui permettre de fabriquer le son qu'il faut pour disperser les petits oiseaux qui ne supportent pas cette vibration, ils ne sont pas habitués, et ils fuient, et ils ne reviennent plus jamais, évidemment. Alors, les petits oiseaux, ils incarnent quoi? Eh bien, ils incarnent un autre fléau, qui est les pensées positives. Et là, Platon nous dit, ben voilà, tu as les pensées négatives, tu pourrais penser que les pensées positives, c'est bien, ben non, c'est sur la même ligne. C'est une différence de degré, mais pas de nature. Donc les pensées positives de type « je veux faire du bien autour de moi, je veux ceci, je veux cela, je veux », non. C'est contre-productif. Voilà. Donc c'est ce qui relève de la volonté, et la volonté c'est de l'émotionnel, et l'émotionnel, ce n'est pas l'inspiration céleste. Voilà. Donc à nouveau, on est surpris par le raisonnement qui nous dit ben, les pensées négatives, dont on a bien compris qu'il vaut mieux les éviter, mais les pensées positives, par exemple, aider un ami qui n'a pas demandé à être aidé, ben, c'est contre-productif. Donc, ces pensées positives, il faut également tenter de les écarter. Alors, il y a beaucoup de représentations de ces travaux d'Hercule. Ici, c'est les oiseaux, hein, avec les vautours, et puis ensuite, les petits oiseaux. Voilà. Bon, je passe à Aristote. Vous voyez, c'est assez rapide, hein, je peux pas faire mieux. Aristote, alors là, nous sommes dans une pensée qui est beaucoup plus proche de nos préoccupations actuelles. Alors, Aristote, j'ai dit tout à l'heure, Platon, c'est quelqu'un d'illuminé. Aristote, aujourd'hui, ce serait quelqu'un qui serait un grand informaticien, vous voyez ? Voilà. Un grand informaticien. Du type Yann LeCun, qui malheureusement est allé travailler chez Facebook. Donc c'est un grand informaticien, un des plus grands informaticiens français, breton, et qui a cédé à l'appel des sirènes et qui est parti chez Facebook. Bon, tant pis.
sérieux, très méticuleux, recherche de cohérence, très pragmatique. Pas du tout idéaliste, pas du tout. Il va s'occuper de la logique. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, bon ben, dis-moi ce que tu penses, et je vais te classer, tu es plutôt platonicien, inspiré, ou plutôt aristotélicien, il n'y a qu'une réalité, c'est ici-bas, sur Terre, il faut gagner sa croûte, il faut lutter, il faut travailler, il faut... Donc on a un peu ces deux opposés. Alors Aristote, il va s'occuper de comment on connaît. Il va s'occuper de l'épistémologie. Comment on connaît ? Comment on connaît ? À son époque, donc il intervient après Socrate. Mais tout de même, c'est toujours l'époque où la science est en balbutiement. On fait de la philosophie comme on fait de l'astronomie ou des mathématiques, tout est mélangé. Alors, grande différence avec Platon. Pour Aristote, l'essence, de toutes les formes, l'essence est incarnée dans la matière. Donc là, changement radical. Et cette matière, comment vit-elle, comment ça fonctionne? Ben, il dit, il y a du Télos, il y a de la finalité. Voilà. Il y a de la finalité. Les humains, par exemple, on ne va pas prendre les animaux ni les plantes, les humains sont animés par des finalités. Alors, attention, vous avez un projet d'étude, vous êtes animé par une finalité. Là, c'est un projet d'étude qui est conscient, qui est explicite, et que vous êtes fixé pour vous-même. On peut parler des finalités. Ceci dit, toutes et tous, ici, lorsqu'on était petit, eh bien, progressivement, on a grandi. On a été animé par une finalité biologique. A priori, personne ne s'est dit « je ne veux surtout pas grandir, je veux rester toute petite ou tout petit ». Même si on avait voulu, on n'y serait pas arrivé. D'accord ? Ça, c'est une finalité aussi. D'accord ? C'est une finalité. Lorsqu'on est tout petit, qu'on grandit, on ne s'en aperçoit pas. Malgré nous, on va grandir. C'est une finalité aussi. D'accord ? Et donc, plutôt que marcher dans les pas de Platon, Aristote va dire, c'est une finalité biologique, il faut étudier. Alors, il n'y avait pas de microscope à l'époque, mais il faut étudier le vivant, il faut étudier les organes, mais il faut étudier aussi le cerveau, il faut étudier la pensée. Donc, c'est une ambition très forte. Une ambition très, très, très forte. Nous sommes des êtres téléologiques. Alors, le terme est français. Télos, c'est grec, et ça a donné, c'était la racine, ça nous a donné... téléologique, c'est-à-dire animé par une finalité. Voilà, ça c'est le premier rapport. À partir de là, en résumant sa vie, Aristote va dire qu'il s'est occupé, il a étudié tout le temps. Il a étudié tout le temps. Il a été le professeur d'Alexandre le Grand. Donc lui, il a eu une vie assez confortable parce qu'il était payé un bon prix pour être l'enseignant d'Alexandre le Grand qui a tout cassé sur son passage. Il était très énervé. Et il
il a beaucoup étudié, et il a dit, voilà, bon, il faut classer tout ça. Hein. Donc, avant Diderot, il a fait des grandes encyclopédies, et il a dit, voilà, il y a trois grandes familles de connaissances. Alors, excusez-moi pour les termes, hein, c'est traduit du grec. La première philosophie, elle est théorétique, c'est-à-dire que on peut la faire, on peut la réaliser de manière cumulative et relativement déconnectée de la pratique. Donc, ça désigne quoi ? Alors, pour nous, c'est surprenant. Ça désigne les maths. Bon, c'est vrai que les maths, on peut faire les maths dans une chambre, sans sortir de la chambre, toute sa vie, on fait des maths. Il y a la physique. Là, on se dit, bon, ouais, maths, physique, c'est proche. Mais attention, psychologie. Et puis, théologie. Voilà. Donc, on peut s'intéresser à ces quatre disciplines qui, à l'époque, existent de manière très, très, très embryonnaire. On peut s'y intéresser sans forcément que ce soit relié à une pratique courante. Ensuite, il y a la philosophie pratique. C'est l'économie, l'éthique, la politique, gouverner la cité, et la rhétorique, c'est-à-dire l'art du langage, qui est devenu très à la mode aujourd'hui, pour faire passer les idées, pour être compris, au risque parfois de parler creux, de ne pas dire grand-chose, mais de le dire bien. C'est une des phrases, c'est esthétique, la pensée est pauvre, mais le discours est bien. Il a une grande esthétique. Et puis, troisième philosophie, la poièse, donc la philosophie poétique, c'est quoi ? Alors, il appelait ça philosophie. Hein ? Aujourd'hui, on parlerait plutôt de production, d'artisanat. Ce sont toutes les activités qui permettent de produire une œuvre. Que ce soit un meuble, une maison ou une poésie. Voilà. Bon. Prenons l'économie, puisque c'est le but. Sur l'économie, il va écrire un ouvrage qui s'appelle Économique. Et puis, un autre ouvrage qui s'appelle Éthique, l'éthique à Nicomaque, qui est un lieu en Grèce. Et il va s'attacher à penser la richesse. Et donc, en grec, kremata, la richesse, la possession. Alors, c'est un terme traduit qu'on n'utilise pas du tout en français, la krématistique, l'art de s'enrichir. Donc, l'art de s'enrichir, c'est une activité qu'on peut avoir. Mais ce n'est pas l'économie. Ah ! Oh là là ! Là, déjà, vous voyez, le simple fait d'énoncer ça, c'est dit bizarre. Mais oui, l'économie est animé par une finalité qui va être de s'alimenter, de se loger, de se déplacer, de faire tout un tas de choses, qui nécessite la monnaie. Si l'espace dans lequel on vit utilise de la monnaie, il peut avoir le troc.
Donc, ces activités de s'alimenter, de se loger, etc., peuvent nécessiter la monnaie, mais en aucun cas, la monnaie ne peut se substituer à l'économique. Alors ça, aujourd'hui, ça nous fait réfléchir parce que, beaucoup d'activités qui consistent à développer un business, comme on dit, et qui aboutissent pour certaines personnes à s'enrichir, on dit, ben voilà, réussite économique. Pour Aristote, non, pas du tout. Hein. Il y a l'art de s'enrichir, on peut s'enrichir, accumuler des richesses, mais ce n'est pas de l'économie. L'art de s'enrichir, c'est une confusion entre le moyen et la finalité. Autrement dit, si on vivait aujourd'hui dans des nations gouvernées par M. Aristote ou des gens inspirés par lui, on dirait, ben, venez par là, quelle est votre richesse? On vous prend tout ça et on la met au service de l'économie. On ne discute pas. Si vous n'êtes pas d'accord, le poison. Ou quelque chose. Ou bien on vous met à l'écart, on ne va pas vous supprimer, non, on vous met à l'écart, et surtout vous taisez. Voilà. Donc ça, c'est la philosophie morale d'Athènes, à cette époque-là. Aujourd'hui, on dit ça, c'est radical. C'est radical parce que ça respecte les définitions de base. L'art de faire l'économie et l'art de s'enrichir. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Alors, je vais lire un passage de un de ces ouvrages. Alors, ces ouvrages, ils sont d'une lecture simple, mais il faut les lire parce que, bon, on écrit à cette époque d'une manière très. On n'écrit plus comme ça aujourd'hui. Et plusieurs de ces ouvrages ont des titres lapidaires. Hein. Donc, il y a un ouvrage qui s'appelle Physique. Il y a un autre ouvrage qui s'appelle Métaphysique. Un troisième ouvrage qui s'appelle Politique. Donc, des trucs, enfin, des trucs, pardon, des thèmes très fondamentaux. Donc, dans l'ouvrage qui s'appelle Métaphysique, il écrit la chose suivante. Possession se dit en un sens, par exemple, d'une activité entre ce qui possède et ce qui est possédé, comme une action ou un mouvement. Car, toutes les fois qu'une chose produit et qu'une autre est produite, il y a entre elles une production. Bon, d'accord? En ce sens aussi, entre celui qui possède un vêtement et le vêtement possédé, il y a possession. Il est donc manifeste qu'on ne peut posséder cette possession, car on ira à l'infini, s'il est possible de posséder la possession de ce qui est possédé. En résumé, vis-à-vis des personnes qui à cette époque étaient occupés à accumuler des richesses, et il y en avait, ils disaient, ben, tu possèdes plusieurs maisons, bon, passons sur le fait que tu ne les habites pas toutes, mais en fait, tu ne t'en rends pas compte que tu es possédé toi-même par quelque chose qui est l'idée de possession. C'est l'idée de possession qui te meut, qui te fait bouger. Et là, il y a confusion entre le moyen et la finalité. Donc, sur ce point précis, il se rapprocherait un peu de Platon. Hein. Il se rapprocherait un peu de Platon parce qu'il dit, ben là, il y a quelque chose qui est loupé. Hein. On a loupé quelque chose. Bon, un autre aspect de sa pensée, c'est ce que vous connaissez, puisque vous en avez entendu parler, animal politique. En grec, animal zoon, qui a donné zoo, et politikon, qui a donné politique. Alors, c'est cet ouvrage-là, qui a été traduit des milliers de fois, et un dessin amusant qui nous fait apparaître les humains un peu loup et un peu esprit. Hein, voilà. Donc, c'est l'idée de Socrate, que Aristote a repris de Socrate, le démon intérieur. Sous-entendu, l'animal, il peut être féroce, il n'a pas trop de morale, il a un instinct de survie, hein,
Et heureusement qu'il y a l'humain pour essayer de le dompter. Voilà. Ceci dit, la pensée d'Aristote, qui se veut humaniste, continue à distinguer, puisqu'elle était dans cette époque, les hommes et les femmes. Et les hommes et les femmes libres et les esclaves. C'est-à-dire qu'un esclave est complètement animal, bon, c'est normal, c'est un esclave, c'est pas véritablement un homme. C'était la pensée de l'époque. Hein. Alors, moi je dirais qu'il ne faut pas s'amuser à faire des comparaisons avec aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous héritons de 24 siècles de pensée d'existence. Donc, ne vous amusez pas à brûler les ouvrages d'Aristote, ce serait vraiment une énormité, quelque chose de complètement décalé. Avant ça, il faudrait essayer de faire de la philosophie, au moins à ce niveau, puis après on discute. Alors, ce qui est intéressant dans cet ouvrage sur la zone politikon, c'est que, pour Aristote, la justice, c'est une affaire d'amitié. Il se place au niveau de la cité, hein, il se place au niveau de la cité, et il dit, la justice se développe de manière croissante avec l'amitié. La justice vise la mesure et le juste milieu. Elle vise la mesure et le juste milieu. Mais elle est aussi l'outil de mesure de l'équilibre dans le lien amical. La justice, c'est ce qui nous fait rechercher notre bien au même niveau que le bien d'autrui. Donc après, ça a été développé par des philosophes contemporains. L'altérité, donc le respect d'autrui, qui devient dans la cité un principe de justice. Bon, j'ai terminé avec les fondements. Bon, c'est un peu lourd, mais bon, il faut. Si on n'en parle pas, on ne comprend pas le reste. Alors, on en vient à la praxis. Alors, la praxis, c'est la donnée pratique. Alors, dans un premier sens, la pratique, c'est l'action qui s'oppose à la théorie. Mais, en fait, c'est une autre source de connaissance. La praxis, ça consiste à pratiquer pour connaître. En pratiquant, en expérimentant, on connaît. Donc c'est une seconde source complémentaire à la théorie. Êtes bien placé, on peut apprendre une langue en lisant un manuel, on peut apprendre une langue sans manuel en allant dans le pays, en demandant son chemin, en demandant à travailler, etc., etc., etc. Donc on apprend par la pratique. On apprend par la pratique. Ça nécessite du temps. Alors, Aristote a distingué praxis et poiesis. La praxis a une finalité interne à l'action.
La praxis n'est pas séparable de l'action. Le moteur de la praxis, c'est de dépasser. Si vous apprenez une langue dans un pays qui vous est complètement étranger, vous allez vous dépasser vous-même. Vous allez dépasser la limite de vos connaissances linguistiques. La poiesis est orientée vers un bien, la production de bien, donc par une extériorité. Qu'est-ce que la politique, va dire Aristote? Eh bien, c'est de la praxis. C'est l'activité humaine à plusieurs qui fait quoi? Ben, c'est la fameuse démocratie athénienne et non pas grecque. Hein. La démocratie a été développée uniquement dans la cité d'Athènes. Et on dépasse une condition de vie au lieu de se battre. Au lieu de définir une propriété exclusive, on crée des espaces, des agora, on crée des lieux où on va discuter de l'organisation de la vie dans la cité. Donc ça, c'est praxis. Et il n'y a pas de guide, il n'y a rien. On le fait avec du courage, en discutant les uns les autres, et c'est en faisant qu'on invente. Ça, c'est la praxis. Voilà. Ça, c'est la praxis. Alors effectivement, les élections, le principe de la démocratie, etc., etc., avec l'idée novatrice, et qu'on a un peu oublié, qui est que le citoyen est capable de gouverner aussi bien que d'être gouverné. Bon. C'est le fameux tirage au sort. On était citoyen, on était tiré au sort. On était appelé pour siéger dans une assemblée, pour décider de l'organisation de la ville. Donc, tiré au sort, et non pas élu. Il n'y avait pas de campagne électorale. Pas de campagne électorale. Par contre, pour construire les routes, pour construire les ponts, pour construire les berges, pour les contenir les fleuves, il fallait des spécialistes. Bon, bien que l'appellation n'existait pas, géomètre, ingénieur, architecte, urbaniste, etc. Ces spécialistes-là, Ils étaient élus. C'est-à-dire que l'architecte de votre quartier, il fallait qu'il soit élu pour pouvoir exercer. Donc le peuple, le petit peuple d'Athènes, élisait les ingénieurs, les architectes, et tirait au sort les personnes qui allaient gouverner un certain temps la cité. Donc, au 5e siècle avant Jésus-Christ, il y avait 6000 citoyens tirés au sort chaque année. 6000 citoyens tirés au sort chaque année. Et vous imaginez, hein, pour faire la discussion, il devait être en calme, bon, il y avait une certaine discipline. Voilà. Donc ça, c'est intéressant également parce que on s'en est éloigné et puis bon, régulièrement, on se dit bon, les élections, comment peut-on envisager les choses? Voilà. Ça, c'est la praxis. Bon. Il existe plusieurs modalités de faire de la politique. Pour Aristote, la politique était nécessaire,
elle apparaissait incontournable lorsque les intérêts pouvaient diverger. Voilà. C'est le moyen de réconcilier le besoin d'unité et de créer de l'ordre à partir de la diversité en essayant d'éviter les régimes autoritaires. Voilà. Bon. Voilà, ça c'est la praxis. C'est la praxis avec sa déclinaison politique. L'autocratie, ça consiste à suivre une personne qui se croit arrivée et qui est suivie par certaines. C'est de moins en moins fréquent aujourd'hui. La bureaucratie, on pourrait dire que nous sommes dans la bureaucratie, c'est le fait de suivre des règles qui ont été définies et qui sont relativement figées. La technocratie, ça ressemble, mais on s'en remet cette fois-ci non pas à des règles, mais à des méthodes qui sont portées par des spécialistes. Et la démocratie, la racine étant démos, le peuple, et kratos, le pouvoir, kratos, démos kratos, pouvoir du peuple, pouvoir du peuple, c'est démocratie. Après, il faut des assemblées. Bon, à l'époque, Athènes était une ville pas très grosse. Voilà. Bon, on va passer à la troisième partie, puis la quatrième, et ça va aller de plus en plus vite. On va arriver sur l'économie. Alors, l'économie, ça va être développé. Alors, ça a été développé par Aristote, mais on peut le prendre aussi avec Xénophon. Xénophon, c'est lui. Bon, lui, sa statue, voilà. C'est un philosophe beaucoup moins connu, beaucoup moins important, qui a été disciple de Socrate. Et qui a essayé de penser l'oïkos. Alors l'oïkos, c'est le domaine. C'est le domaine. Alors le domaine, c'est abstrait. Alors la forme concrète, c'est la maison. C'est la maison. Ça peut être aussi le patrimoine. Donc ça peut être la maison, un terrain, des chevaux. Voilà. Et donc il écrit un ouvrage qui est traduit beaucoup plus tard, dans différentes langues, et en français, ça a donné l'économique. Je ne sais pas si je l'ai en photo. Voilà, c'est celui-là. Économique. Alors, il dit, le domaine, il faut s'en occuper. Bon, d'accord. Et le domaine, il faut s'en occuper en fonction de certaines finalités. Alors là, ça peut être quoi la finalité? Bon. La maison, ça permet de se loger, d'abriter la famille, etc. Bon. Et donc, il va être amené à définir un critère pour donner un appui, une base à la finalité du domaine. Pour lui, ça va être ce qu'il appellera le bien. Qu'est-ce qu'un bien ? Un bien, c'est ce qui est avantageux. Ce qui est avantageux est un bien. Alors, il va s'inspirer d'Aristote. Ce qui est avantageux, c'est un bien. Ce qui est nuisible est un dommage. C'est un dommage, ce n'est pas un bien.
dire des choses comme ça. Ainsi donc, les mêmes objets, pour qui ces biens usés de chacun d'eux sont des biens. La maison, par exemple, le cheval. Et pour qui ne le sait pas, ne sont pas des biens. Par exemple, donc je répète, ainsi donc les mêmes objets pour qui c'est bien usé de chacun d'eux, ce sont des biens. Pour qui ne sait pas les utiliser, ce ne sont pas des biens. Exemple, posséder un cheval et ne pas savoir en user, l'utiliser, ce n'est pas un bien. Donc pareil, le cheval, il faut le donner, il faut le céder. Donc accumuler des chevaux sur son terrain pour ne rien en faire, c'est du même ordre que l'accumulation de richesses pour la richesse. On loupe, philosophie morale, on loupe quelque chose, on loupe la finalité. Alors, pour la petite histoire, dans l'économie, on retrouve Socrate. Hein. C'est-à-dire que Xénophon fait pareil, il fait pareil que Platon. Il fait pareil. Il y a Socrate, deux points, et Socrate dit, et dans l'économie, vous avez un personnage qui est très abondant qui s'appelle Critoboule. Je ne sais pas pourquoi, Critoboule. Et Critoboule, paraît comme un naïf à côté de Socrate, qui l'interroge sur ce qui est avantageux et ce qui n'est pas avantageux. Et donc là, nous avons le début d'une pensée sur l'éco-logique, qui a donné après éco-logie. Les amis, ce sont également des biens pour Xénophon. Les amis, ce sont des biens pour qui s'est amusé. Alors, ça nous fait un petit peu penser aux avis sur les réseaux dits sociaux. Voilà, j'en dirai pas plus. Donc, pour qui s'est bien amusé, les amis, ce sont des biens. Pour qui ne s'est pas amusé, ce ne sont pas des biens. Alors, c'est une pensée, parfois on disait c'est une pensée cynique. Non, en fait, c'est une pensée logique. Les ennemis, ça peut être des biens aussi, pour Xénophon, pour Aristote. Savoir user de ses ennemis, leur faire la guerre, prendre leur richesse pour renforcer la cité d'Athènes, de Sparte ou d'ailleurs, c'est un bien, vous voyez ? Donc, un ennemi, ça peut être un bien. Par contre, l'argent mal utilisé n'est pas avantageux. On revient sur la pensée d'Aristote qui dit « Tu ne vois pas que tu es comme une marionnette, tu es possédé par l'idée de possession. Voilà. » Alors, autre chose moins amusante aujourd'hui, cette phrase extraite de son ouvrage, « Ainsi, si quelqu'un employait son argent à acheter par exemple une maîtresse, voilà, à l'époque, et ça a duré plusieurs siècles, il était inconcevable de prendre un exemple avec une femme qui parle de son amant. On parle toujours des maîtresses. Bon. Si quelqu'un employait son argent à acheter par exemple une maîtresse qui ruinerait son corps, ruinerait son âme, à nouveau, ruinerait sa maison, comment cet argent serait-il encore chose avantageuse pour lui? Sous-entendu, bon, voilà. Bon. Donc, une pensée qu'il faut toujours resituer dans son époque. Voilà, vous voyez que je vais de plus en plus vite, je touche au but. Et on va arriver sur les héritages. Au passage, tout ce que nous racontent Socrate, Platon,
Xénophon, et on pourrait continuer là. Il nous parle, alors pour les uns de l'âme, de ce qui est bien, de ce qui est juste, de la finalité, et en fait, il nous parle également des passions. Il nous parle de la passion. Alors, la passion de la possession, la passion de certains vices, la passion de l'accumulation, bon, etc. Donc, posséder des biens, posséder des capacités et ne pas les utiliser, c'est finalement se rendre esclave de ces entités. Voilà. Donc, au début, vous retrouvez toujours la matrice originelle de Socrate qui est le démon intérieur. Et il est. Alors, vous pouvez l'interpréter de deux manières. Soit vous pouvez dire, oh là là, c'est pas facile. Soit vous pouvez dire, il est bienvenu parce qu'il calme le jeu et dit, bah oui, tous les êtres humains, même les plus sages, ont un démon intérieur. C'est humain. Mais ça se travaille. Ça se travaille. Il faut apprendre à dominer la passion. Donc, se rendre esclave d'un bien ou d'une capacité, ça devient une passion. Et la passion, ça prend du temps, et ça détourne des finalités essentielles. Voilà. Alors, les héritages... il y a un premier héritage que l'on doit à Platon, et qui a donné pharmacie après, et qui est le pharmacon. Le pharmacon, qui est un mot qu'on ne connaît pas en français, mais qui est mieux connu de la langue anglo-saxonne. Pharmacon, pour nous, ça a donné pharmacie. Bon. Médicaments, plantes, une plante. Au début de la pharmacie, vous aviez les plantes. Et les plantes, ça pouvait guérir, mais si on en prend trop, ça empoisonne. Ou si on les prend au mauvais moment. Hein. Drugs, pour les Américains, c'est simple. Tu prends un médicament, tu prends une drogue. Mais tu prends une drogue dosée pour te guérir. Si tu en prends trop, tu risques de mourir. Voilà. Alors, le pharmacon de Platon, c'était... C'est une question de dosage, en fait. Voilà. C'est une question de dosage. Et l'argent, ça permet de conduire des activités. On pourrait dire aujourd'hui la finance, vous voyez. Alors certains disent, bon, ouais, la finance, c'est pas bien. La finance, c'est le diable. Ben, la finance, ça permet de financer des activités. Alors certains disent, ah oui, alors, il y a la finance verte. Bon, peut-être la finance pour développer des projets vertueux. Voilà. Mais on sait qu'il y a la finance spéculative qui consiste à engager de l'argent pour faire de l'argent, pour faire de l'argent, pour faire de l'argent. Donc, on ne voit pas trop l'intérêt. Donc l'idée de Pharmacon, c'est ne rejetez pas tout de suite les choses, interrogez-vous sur le dosage. Voilà. Interrogez-vous sur le dosage. Les philosophes antiques, grecs ou autres, on aurait dû prendre d'autres, hein, en Égypte, en Iran, les Perses. Bon, mais on ne peut pas tout faire. Ils ont pensé la technique. C'est quoi la technique? Les Grecs disaient la techné. La techné, c'est un moyen, c'est un outil, mais c'est aussi un langage. C'est un rapport au monde. Lorsqu'on a mis au point les premiers outils, on a changé notre rapport au monde. Et donc, on a modifié le monde réel, le monde physique.
Et donc, la technique, c'est une question de dosage. La finance, c'est de la technique. C'est ni bien ni mal. Ça peut être mal, ça peut être un vice, ça peut nous conduire à des extrémités que l'on connaît, mais ça peut aussi financer des beaux projets. Donc, le premier héritage, c'est le pharmacon, le dosage. Le second héritage, c'est la réflexion sur le pouvoir. C'est la réflexion sur le pouvoir. C'est quoi le pouvoir? C'est quoi le pouvoir? C'est le pouvoir de qui? Sur quoi? Alors, pour Platon, c'était clair, même si ça peut paraître un peu... ça peut paraître... parfois illuminé, ésotérique, très inspiré, le pouvoir, c'était du côté de l'âme. Voilà. Donc il faut s'interroger sur ce que veut l'âme. Et ce que veut l'âme, on ne va pas le découvrir dans la finance, on va le découvrir en nous. Et on rejoint à nouveau Socrate, connais-toi toi-même, interroge-toi sur tes propres ressorts, ta propre volonté, et au fur et à mesure, tu vas peut-être la transformer. Le pouvoir, c'est aussi le gouvernement des hommes, des humains, par les humains. À l'époque, ils disaient les hommes, mais bon, nous, on peut dire les humains, et donc on a tout le monde. C'est le gouvernement des humains par les humains. Et comment on fait? Eh bien, on se donne des règles. On se donne des règles et lorsque on incarne le pouvoir, le gouvernement de la cité, on gouverne, on rend des comptes, on gouverne pour la société des humains. Et on ne fait pas comme certains présidents, je ne veux pas dire tous parce que ce serait abusif, mais comme certains présidents en Europe, pour ne pas désigner un pays en particulier, qui se servent qui se prennent de passion pour eux-mêmes. Et donc là, on loupe quelque chose et on retombe dans le travers. Mais bon, ce que je dis, on n'a pas besoin de mobiliser Aristote pour cela. Troisième héritage, c'est le pathos et le logos. Pathos, ça a donné pathologie. C'est la passion. Pathos, pathologie. Et logos, la raison. Voilà. Alors, Socrate dit, nous sommes des êtres de raison. De logos. Platon, lui, il a rajouté sa couche. Le logos, il est cosmique, il vient de très loin, il nous inspire. Ok. Et Socrate, tout de même, et dans une autre mesure, Aristote, nous a dit oui, mais nous sommes aussi pathos. Nous sommes des êtres pathologiques. On a des limites, on s'énerve. On est impatient, on veut posséder, on est comme les vautours là, on veut faire du prosélytisme, on veut convaincre les autres au lieu de les laisser expérimenter, vivre leur vie calmement. Bon, on veut faire le bien à la place des autres, etc. Donc le pathos il est de partout, faut pas avoir trop d'illusions. Et donc, s'il y a du pathos, c'est une invitation au logos, à la raison. Voilà. Aujourd'hui, on dirait l'émotion et la raison. Voilà. Ah, ton raisonnement, c'est émotionnel, c'est parce que tu es séduit par tel ou tel discours, par telle ou telle personne. Et en fait, d'un point de vue de raison, ça ne tient pas la route ce que tu racontes. Là, c'est ça en fait. C'est ça, et on est très souvent...
Et on s'en aperçoit souvent assez tard. On se dit, ben oui, j'ai été séduit, mais finalement, ce n'était pas très raisonnable. Ce n'était pas très raisonnable. Bon. Donc, le pathos, c'est le logos, c'est le dialogue interminable dans lequel nous sommes, si on suit ces philosophes. C'est le dialogue interminable dans lequel nous sommes de manière continue, et nous essayons de transformer le plus de choses possible en raison. Voilà. Eh bien, j'ai terminé. Voilà. Donc, vous retrouverez toutes ces diapositives sur Amétis. Et vous aurez quelques questions là-dessus, des questions très, très simples. Très simples, pas de détails, des questions vraiment très simples. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Thank you.